Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour la suite. Donc le gameplay de Quantum Break, épisode 1-3. Donc il faut qu'on aille... Y a pas de temps à perdre, je dois retrouver Will. Voilà, il faut retrouver Will, quelque part. Donc séparé de son frère... Jack affronte l'armée... Ok. Donc faut que je trouve mon frère. D'accord. Donc là on voit qu'elle a découvert qu'il y a 8 trucs, hein, 9 renseignements, 60, 7 documents, ordinateur 4. Ah non, c'est ce que j'ai déjà fait ça en fait. Ah ok, d'accord. Bon, on y va. Alors oui, on voit. Je dois retrouver Will avant qu'il soit trop tard. Oui, attends, je cherche le bouton. Ok, donc je peux faire que deux trucs. Et il se recharge à droite. D'accord. Quand l'icône vit son temporel clignote. Appuyez pour... Ah, ça veut dire qu'il y en a là. Est censé capturer William Joyce vivant s'il ne résiste pas. S'il vous plaît, lâchez-moi. Je peux fermer ta gueule. La ferme, ok? Le patron a dit de l'emmener dans la bibliothèque. Il veut s'occuper de lui personnellement. Will. Ok. Un autre là. Il est toujours vivant. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Allons-y. Oh putain! Appuyez sur la gauche pour bloquer une esquive. Merde, merde, merde! Oh merde! Grenade! C'est impossible! Non, 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 non! Signalez votre fusil à l'eau! Qui me sautez vers vous? Vous êtes sûr que c'est un S? J'ai besoin d'une confirmation visuelle. Viens de côté! Ok, là, je suis trop bourrin. Vous pouvez... LB, d'accord. C'est là qu'il l'emmène.
Oui, mais tu permets que je récupère des armes, si possible. C'est ça, et partir après, on dirait. Ouais, c'est ça en fait, ok. Vous ne saviez toujours pas que Wilder vous aidait. C'était pas lassé. Rien. Tout ce putain de campus est privé de lumière. Quelqu'un a coupé le courant. On était censé agir discrètement. On a ce qu'on voulait. Ouais. Et les médias vont pas nous rater après ça. Hé hey, t'occupe pas de ça. T'as entendu le patron? On applique le plan B. On finit ce qu'on a commencé et on se regroupe au cale sèche. C'est pas compliqué. Ça te pose un problème? Non. Ok. Rien. Tout ce putain de campus est privé de lumière. Quelqu'un a coupé le courant. On était... Ah, bon, c'est ça. Allez, va-t'en. Ennemi
tir de suppression. Le système hein, RB, j'avoue, je comprends pas tout. Hein. Ils sont en dessous en fait. Pourquoi il ne garde pas sur ma putain de vue à droite? Il me saoule. Les boutons, hein. J'avoue que je me perds un peu. Un peu compliqué tout ça. Y a pas de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Oui, je sais. Ah, c'est du jeu, ça. La sortie. Un truc bleu, c'est quoi? Je dois retrouver Will avant qu'il soit trop tard. Il y a un truc walkie. Pas le prendre. Ok. Dac. Il y a un d'autre. Ça, j'ai déjà des armes. C'est tout bon. Pourquoi est-ce que vous m'avez...
voulez ici? C'est une bibliothèque. J'ai des livres à rendre, du con. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. J'attends vos ordres. Terminé. Will. Ils l'ont emmené à la bibliothèque. Je dois y accéder et le retrouver en vitesse. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Il y a un truc qui clignote. D'où ça venait, ça? Appuyez sur A. Ok. C'est juste derrière. D'accord. Alors avant. Plus t'es sûr qu'il n'y a rien de ce côté. Je lui dis que je suis chiant pour trouver tous les trucs. Pas du premier coup, mais bon, si on peut éviter d'y refaire. On va pas se faire chier, nous sommes d'accord. Pas utilisé ? Dommage. Bon, bah non, faut aller là-bas. Je serais même dans les toilettes, ça aurait été marrant. Seul à leur en vouloir. Moi qui pensais que ce serait une nuit tranquille. Apparemment, il semblerait que la manifestation contre Monarch à l'université de Riverport est méchamment dégénérée. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais je viens d'apprendre que des agents de sécurité employés par Monarch Solution étaient en train d'arrêter des étudiants. Et apparemment, il y a même eu des coups de feu. Bon, je veux pas m'avancer, rien n'est confirmé, et bien sûr, je connais pas les détails, mais quel que soit notre point de vue, la situation a l'air grave. Vous savez que je suis pas un grand fan de Monarch et de leur façon de faire, mais quand même, j'espère que cette histoire de manif n'est pas allée trop loin. C'est qu'un bâtiment, les mecs. Ça vaut pas le coup de se faire tirer dessus, franchement. De notre côté, s'ils tirent sur les gens à cause de ça, c'est vraiment des connards sans nom. Dans tous les cas, j'ai l'impression que la situation va sérieusement empirer avant de s'améliorer. Faites attention à vous, les jeunes. Bon, mais je voulais que ça, mais comment on monte? Mais comment on y va? Je dois pouvoir monter par là. Ah bah heureusement tu me dis, hein, petit con. Allez, j'ai pas que ça à faire.
Je dois trouver un moyen de le ralentir. Ah oui, mais on peut ralentir le truc dans la boucle. Que le truc qui se charge au cas où. Voilà. Ici transport aérien 1, on a récupéré le noyau de la machine à voyager dans le temps. Hé hey, les mains en l'air quand je les vois. Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que j'ai raté un truc. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? C'est une très bonne question. Il faut aller en dessous, on dirait. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. On attend vos ordres. Ils l'ont chauffé. Je me demande où est son frère. La bibliothèque va sauter? Maintenant? L'autre ennemi. Ah, c'est tout bien ça. C'est une bibliothèque. J'ai des livres à rendre, du con. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. On attend vos ordres. Terminé. Ok, c'est quand ils sont rentrés.
Jack, cours! Oh putain. C'est vrai que j'ai le bouclier, je suis con. J'y pense jamais au bouclier. Normal, c'est la première fois que je l'ai. Mais est-ce que je peux marcher avec le bouclier? Bonne question. Désolé, j'ai dit nu. Ah. On progresse. C'est quoi cette histoire? Neutraliser le civil. Maintenez la pression. Ça. Il est juste là. Madame. C'est le moment de bouger. On est là par le plan. Fais pas moi Cluel. Je me perds dans les boutons, fais chier. Je suis trop bourrin. Je suis trop bourrin. Désolé, on va y arriver. Hein. Fait 30 minutes, putain, fais chier. Hein. Mais bon, au moins on est en direct. Hein. Pas passer ça. Jack, cours! Non, bon, ça fait chier. J'envoie une grenade!
Débusquez-le! N'approchez pas! Par le flanc! C'est quoi ce bordel? Pas qu'il peut être un bouton. Hein. J'ai tout un tas de nouveaux super pouvoirs qu'il va falloir que tu m'expliques. Commence d'abord par détacher. Attends, pour l'instant, je prends mes munitions. Mitraillette. Ok, je suis plein. Jack, je peux pas bouger. Ouais, ok. Avant, au cas où. Toi, à chaque fois, il me change droite, gauche, fais chier. On doit faire vite. Où est ma voiture? La couleur me plaisait pas. On va en prendre une autre. Hein? Non, Jack. J'ai besoin de la... Oh! On peut attendre. Ah, ma mallette était dans la voiture. Je t'en rachèterai une. C'est qu'une mallette, merde. Une mallette qui contient une chose dont j'ai besoin pour arrêter la fracture. Et t'as pas pensé à me le dire plus tôt? Désolé, j'étais un peu en train de me faire kidnapper. Ouais, je peux encore te laisser ici, hein. Mais comment t'arrives à rester en vie? Ça fait partie des trucs bizarres que tu dois m'expliquer. T'as une idée de comment on fait pour manipuler le temps? Non. Alors dépêche-toi d'en trouver une. Élimine. Je peux pas tout lire et jouer, hein. On doit faire vite. Où est ma voiture? La couleur me plaisait pas. On va en prendre une autre. Hein? Non, Jack. J'ai besoin de la... Oh! On peut attendre. Ma mallette survivre. Dans la voiture. Okay. Je t'en rachèterai une. C'est qu'une mallette, merde. Une mallette qui contient une chose dont j'ai besoin pour arrêter la fracture. Et t'as pas pensé à me le dire plus tôt? Le bois. Désolé, j'étais un peu en train de me faire kidnapper. Ouais, je peux encore te laisser ici, hein. Mais comment t'arrives à rester en vie? Ça fait partie des trucs bizarres que tu dois m'expliquer. Quoi, cette histoire? T'as une idée de comment on fait pour manipuler le temps? Non. Alors dépêche-toi d'en trouver une. En avant. C'est qui? Tire de couverture. Ils continuent de tirer. Ils ont dit qu'ils voulaient nous capturer vivants. Je crois qu'ils ont changé d'avis. Possible. Il est encore là, ce connard. Oh,
Tu viens m'aider ? On recharge. Ils sont tous morts ? Ouais, je crois. Bon bah viens. On doit récupérer ma mallette. Ensuite, il faudra trouver Bess Wilder. Pourquoi ? C'est qui ? Elle sait des choses sur la fracture. Je lui fais confiance. Y a au moins une personne à qui tu faisais confiance ? C'est pas aussi simple que ça, Jack. Si je t'ai caché la vérité, c'est pour te protéger. Me protéger ? Regarde autour de toi, Will. Tu te sens protégé, là ? C'est pas ma faute. Bess m'avait prévenu que ça arriverait. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher. Mais tu m'as jamais rien dit de tout ça ! Rien du tout ! Je pouvais pas... T'es au courant depuis combien de temps ? C'est pas le moment de parler de ça, Jack. On doit récupérer cette mallette. Ouais, moi j'aurais des munitions. Possible. Pas de munitions ? Putain, il pourrait ouvrir les portes, hein, il abuse là. Hein. Faut qu'on bouge, avant qu'il en arrive d'autres. Putain, même ça, il s'est pas ouvert. Nécessaire. Réfléchis, tu n'imagines pas l'enjeu. Je sais exactement ce qui est en jeu, c'est pour ça que je suis là. Je te donne une dernière chance de changer ta vie. Ces événements sont inscrits, on ne peut pas les changer. Le passé, le futur, j'ai tout vu. Je l'ai vécu. Pendant 17 ans. 17 ans, c'était toi, la première expérience. Viens avec moi et on pourra continuer ensemble. Ou cramponne-toi à ton rêve. Et brûle avec lui. Écoute, j'ai créé une machine. Je peux tout arrêter, crois-moi. Non, tu ne peux pas. C'est de la folie. On ne perd rien à essayer. Au contraire, et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. On doit agir. J'abandonnerai pas. J'ai mis des années à accepter ce qu'il fallait faire. Mais là, on n'a plus le temps. Non, non, attends. Allez-y. Je n'ai jamais voulu ça. Super. Acte 1. Paul Seren. J'ai fondé Monarch Solution il y a 17 ans avec un objectif bien précis. Certains d'entre vous douteront du bien fondé de mes années. Cet enregistrement constituera une sorte de plaidoyer ultime, un témoignage relatant tout ce qui nous a conduits là.
Je me suis dévoué corps et âme à cette mission. Je n'ai jamais perdu de vue mon but, j'ai tout accepté. Parce que j'ai vu ce qui allait se passer. Comment tout ça allait se terminer. On a un problème. On a perdu le véhicule de Jack Joyce. Il devrait déjà être arrivé. Il y a peut-être un traître parmi nous. Prenez votre traitement. Je vais trouver le responsable. Trouvez Jack, et surtout, mettez vos meilleurs hommes sur le coup. Ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le niveau d'ingérence de Jack a entraîné des complications. Des témoins de l'université ont été transportés ici. Allez voir. Nous ne pouvons pas nous permettre de rencontrer d'autres obstacles à ce stade du plan. Je vois deux options. On peut user de la force, effacer toutes les traces, mais si ces témoins disparaissent... Alors le public se mettra à poser des questions et pourrait même se tourner contre Monarch. Bon. Et ben, je vois que c'est fini là. Donc nous allons faire une pause. Voilà, et puis bien pour le prochain épisode. Donc n'hésitez pas à liker, un petit pouce, un commentaire si vous voulez. Et puis vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous remercie. À plus.